Bonjour à tous, ici Morgan Van Breda. Et on se retrouve sur Death Bulge Battle of the Bands. On va pouvoir s'inscrire. Enfin, j'espère se battre. Waouh! C'est un démon qui fait les inscriptions. Oh cool! Eh bon, allez, on va finir. Nom du groupe. La platine délicieuse! Vous avez peut-être déjà entendu parler de nous? Non. Ah. Nom des membres du groupe. Platine! Délicieuse! D'accord. Signez là. Waouh, j'adore votre stylo! Effectivement, c'est... Vous pourriez pas juste rester sur la ligne, hein? Eh ben, il faut faire une bonne première impression. Il faut que je signe aussi. Je pense qu'il y a bien assez de merdier sur la feuille, merci. Ok, vous êtes inscrit. Bienvenue à la baston des groupes. Voilà vos passes de groupe. Il faut que vous les gardiez avec vous pour le tournoi. Waouh, t'as sorti ça? Ouais. Tu buzz. Pas vrai? Je suis si content qu'on fasse ça. À ton tour, Faye. Je voudrais inscrire Death Bulge, s'il vous plaît. Death Bulge? Moulbite de la mort? Nom des membres du groupe, s'il vous plaît. Ouais, c'est Faye, Yann et Brie. D'accord, et bah tout ce qu'il vous reste, c'est signer ça. Ah merde, je me souviens pas la dernière fois que j'ai utilisé un stylo plume. Ouf. Et merde. Eh ben, t'as une sacrée signature de merde. T'as pas intérêt à avoir niqué mon stylo plume avec ça. Je peux réessayer si vous voulez. Non, non, ça ira. Ok, vous êtes inscrit. Bienvenue à la baston des groupes. Voilà vos passes. Je veux que vous les gardiez avec vous au tournoi. Ah! C'était quoi cette sensation? Ah, tu as senti le buzz aussi? Ouais, j'imagine. Et puis, pour célébrer le fait que ce 100e tournoi, les participants reçoivent tous un... Supportable. Vous recevez tous un patch commémoratif. Ça augmente la régène de hype de 20%. Wow. Heureux. Je vais me dégager un peu la gorge. Ça devrait aller mieux. Ah cool. Quelque chose pour la veste de bataille, je suppose. En tout cas, l'aventure, vous avez trouvé des patchs avec divers logos de groupe. Ça donne des bonus passifs. Ouais, bah c'est l'équipement. Oh oh, j'ai hâte de le coudre. Et c'est quoi le prix de ma corde, au fait? Content que vous ayez demandé. Vous allez avoir l'honneur de faire un tour du monde avec Apocalypse, le plus grand groupe de métal démoniaque de tous les temps. Oh, sérieux? Apocalypse? Ah, ça déchire! Oh, oh, je m'étais même pas rendu compte! Et bien c'est fait, on est dans la compétition. J'espère que tu es prêt à nous affronter, Faye.
J'imagine qu'on va te voir en finale. Ouais, je m'attends à rien de moins. Puis, merci de m'avoir convaincu de le faire. Ah, pas de problème. On savait que tu regretterais si tu le ratais. Ah, ça c'est sûr. Allez, bah j'ai plus qu'à aller dire, dire aux autres. Eh bien, bonne chance pour réveiller Brie. Nous, il faut qu'on aille répéter. Pas vrai, délicieuse? Ouais, carrément. A plus. Waouh. Fais une tournée avec Pocalypse. C'est énorme. Mon prix devrait être réveillé maintenant. Il est temps de lui donner les super nouvelles. Station de bus. Eh, un musicien! Éloigne-toi de moi! C'est quoi ton problème? Cette foutue ville est obsédée par la musique! Surtout avec tout ce nouveau truc de baston des groupes là! Mais pas moi! Je déteste ça! J'en ai marre! Je prends le prochain bus vers Roro! Je ferai enfin libre de tous ces putains de musiciens qui se baladent avec vos saletés d'instruments! D'accord. Ah, salut toi. Hé, hey, regarde! C'est ce groupe qui n'a même pas de chanteur. Je pense que vous devriez recruter un chanteur. Et je pense que ça devrait être moi. Allez, tu sais que c'est logique. Non. Par contre, on cherche des gens pour aller à une teuf. Eh hey. Est-ce que c'est vraiment une teuf? Comment ça? S'il n'y a pas de karaoké, c'est pas une teuf! On a du karaoké! Oh yeah! Et ben là, la question c'est... Combien il y a de chansons qui gueulent? Assez pour foutre le voisin dehors. Parfait! Allez, je vais y aller! Nickel. J'adore ton costume. Ah. Une consoeur musicienne. Je suis dans un groupe progressif moi-même. Mon groupe progressif a passé 9 mois à concevoir notre dernier album. Et on l'a appelé... Prognance. Je crois que c'est un jeu de mots sur pregnancy, qui veut dire être enceinte. Mais un jeu de mots avec enceinte et progressif, je peux pas trouver ça comme ça. Oui, ils ont mis 9 mois à le faire, oui. Bon. Elle est prévenue, les jeux de mots ça va être compliqué. Mais je pense qu'il faudrait un nouveau membre pour notre groupe. Je crois qu'il vient de changer de voix, c'est pas grave. Quelqu'un qui joue quelque chose de bizarre, quelque chose de pas conventionnel. Quelqu'un qui nous donnerait un atout. Quelqu'un qui fait la musique avec des couteaux, des fourchettes. Il est beau. Eh, hey, c'est pas toi là, ce groupe. Ouais, tête belge. Ça doit être cool d'être dans un groupe. Lalala. J'aimerais bien être dans un groupe. Mais j'ai du mal à trouver un groupe qui est intéressé par un mec qui joue la cuillère. Alors c'est un vrai truc ça. Faire de la musique avec des cuillères. Regardez la taille de ce potage. Je peux pas bouffer tout ça. On m'a prévenu que ce serait gros. J'aurais dû écouter. Pourquoi je n'ai pas écouté? Je suis sûr que tu peux trouver quelqu'un avec qui le partager. Non, c'est mon erreur. C'est à moi de manger cette soupe. C'est ma quête. D'accord, ben bonne chance. Ou quelqu'un qui joue avec des couteaux ou des fourchettes. Ou des cuillères?
Quoi, ce panicule? À moins que les cuillères aient quelque chose d'intéressant. Genre si c'était très grosse. Genre des louches. Des louches? Ouais, des louches. Je serai dispo pour des louches. Tu sais jouer des louches? Et un joueur de louches? Des louches? Ouais. J'ai essayé de me mettre aux louches, mais... ça prend trop de place. J'ai essayé de mettre une louche en équilibre sur mon nez une fois. Et ben je me suis pété de la nuque. Quoi? Je veux dire, j'ai plein de différentes cuillères. Des cuillères en bois, des cuillères de porcelaine, des cuillères carrées. Est-ce que toutes les cuillères sont à écarter? Je vais vérifier. Des cuillères carrées? Là, on parle! C'est aussi dingue qu'une terre cubique ou qu'une télévision triangulaire. J'adore! Eh ben, c'est excellent, je vais essayer de prendre rendez-vous avec lui dès que j'entre à la maison. Mais il est juste là. Oh, voyez-vous cela, comme c'est pratique! Eh bien, en ce cas, dis-lui de me rencontrer plus tard à la botte du. À la botte du tinton. Oui, vous savez, vous pourriez juste vous asseoir ensemble autour de cette table plutôt que de faire ces élèves venus sans cesse. Et ben, non, mais y a pas besoin de se rencontrer jusqu'à ce qu'on ait tous les détails. Sinon, on serait en train de se gâcher du temps. Mais en faisant tout ça, vous gâchez mon temps. Et ben, si tu vas chouiner, au moins, enregistre-toi. Comme ça, je pourrais échantillonner pour une piste plus tard. On pourrait même faire en sorte que tes larmes tombent sur un gros tambour. Ça pourrait faire un beat sympa. Oh, regarde ça. Tu m'as fait... tu as lancé mon imagination. Oui, c'est bien ce qui me semblait. La botte du tinton, c'est ici. On y est. Est-ce possible? Une chance? Je sais pas, est-ce que j'ai vraiment envie d'être dans un groupe? Peut-être que ça ferait que de me retenir. Et si je me lançais en solo? Oh, on va te faire foutre. Salut, Fred! Il y a vraiment un tout petit visage. Ça fait plaisir de te revoir, c'est tout, après l'année dernière. Comment va la vie depuis que je t'ai viré? Tu te sens vide de sens? Pas vide de sens, oui. Mais maintenant que je me suis inscrit... À la base, on est groupe. C'est au moins ça sur lequel je peux travailler. Oh, alors tu rassembles ton groupe. Très bien. J'espère que vous n'êtes pas trop rouillé. Et toi, ça va les affaires? Eh bien, grâce à la hype qui entoure le concours de musique, ouais, il y a pas mal de monde. Évidemment, c'est un bon problème à avoir, mais c'est plutôt stressant. Heureusement qu'on a un nouvel employé qui va commencer à travailler plus tard dans la journée. J'ai hâte. Tu m'as déjà remplacé? Oui, on l'a rencontré, Faye. Oui, bien sûr. Je pourrais pas me permettre de manquer d'employé à un moment pareil. Ouais, j'imagine. Eh bien, t'as envie d'aller voir l'arrière-boutique, Faye? C'est pas grave, je t'en prie, vas-y. Du moins, c'est ce que je dirais si je t'avais pas viré. Réservé au personnel. Ni ni ni. Rien là. Y'a pas un petit ticket caché, un truc? Putain. Oh. Là, par contre, y'a un truc. Oh, salut, Faye. Je t'inviterai bien, mais j'ai déjà un invité. Désolé. Reviens plus tard et on pourra discuter. Ah, c'est Barry. Barry, c'est le champion du monde de gentillesse. Il est trop sympa. C'est pour ça qu'on n'a pas niqué sa porte.
ok, c'est bien aussi. Mais attends, c'est quoi déjà mes quêtes? Faut que j'aille choper le skater. Faudra que je revienne voir le gars avec son fromage. J'ai buté des pitons, c'est bon. Et ça, c'est tous les codes que je peux essayer à l'ordinateur. Ok. On va enfin pouvoir avancer dans l'histoire. Ah, ou pas. Ah, si, c'est bon. Nice. Very nice. C'est toujours pas ça. Mais t'es qui toi? Ah! Faye de Death Bulge? Ouais, c'est moi. Mais t'es qui? Saeva, je suis Saeva. Je suis un ami. Je suis une amie de Brief. Ouais, bah Brief a besoin de se réveiller. Il a trop dormi. Et si tu le réveillais avec un peu de ta musique? C'était pas une mauvaise idée. Ah, le système de combat, enfin! Est-ce que ça vient de lui faire mal? Et pourtant, il rompait toujours! Il est temps de sortir les gros riffs! Le fondeur du visage! Ça joue deux mesures de douleur! Et donc, vous voyez, voilà, c'est le système de combat. Je mets des mesures sur les barres des adversaires. Et quand leur indicateur de tour passe sur ces mesures, ils en subissent les effets. Regarde, tu lui fais du mal, je le savais! Mais qu'est-ce que tu racontes? Bon, je vais juste continuer à jouer, hein. Mais tu m'écoutes au moins? Ta guitare, ça lui fait mal. Écoute, je suis peut-être un peu rouillé, mais je suis pas si nul que ça. C'est pas la peine de l'insulter. Mais... voilà, fondeur de visage. Faye, je crois qu'il est inconscient. Il était déjà inconscient et dormait. T'es sûr? Tiens, donne-lui ça. C'est quoi? Juste un petit objet qui peut aider. Tu peux y accéder depuis ton... depuis ta boîte à goodies. Hein? Un peu de jus de Barry le gentil. Ah, c'est délicieux. Merci, Saeva. Mais c'était pour Brief. Bon, et ben, il va pas se lever, hein. Et ben, j'ai plus d'idée. Ça veut dire que tu veux lui foutre la paix maintenant? Oui, j'imagine. Au moins, j'ai eu un peu de pratique. J'arrive pas à croire que tu l'aies assommé. En jouant de la musique. Mais fous-moi la paix, il fait que dormir. J'ai juste laissé se réveiller tout seul. Puis pendant ce temps, je vais aller trouver Yann. Ah, ça veut dire que tu rassembles le groupe? Bah oui. Mais pour l'instant, ça se passe pas très bien, hein. Dis, j'avais cette idée sympa pour un documentaire. Et j'avais pas encore trouvé de sujet, mais si Death Bulge se rassemble vraiment... et si je vous suivais sur vos voyages? Vous savez, pour documenter le voyage, enregistrer votre progression, ce genre de choses. Ouais, pourquoi pas? Ah, ouais, super, nickel. Et ben, viens me parler si tu veux sauvegarder. Je fais ça que pour y briefer Yann, par contre, hein.
crois pas que t'es dans mes petits papiers tout d'un coup. Surtout après ce que tu viens de lui faire. T'es toujours convaincu que je l'ai assommé avec de la musique. Bon bref, puisque Paris n'a pas l'air prêt à se laver, j'imagine que je vais aller au bois du thon pour trouver Yann. Je me demande s'il y a toujours ce poisson qui chante de manière horrible. T'es pas fan, hein? Quand t'as grandi avec Yann, la nouveauté d'un poisson qui chante, ça finit vite par arrêter d'être nouveau. J'arrive pas à croire que tu l'as semé. C'est à cause du genre de truc que t'es mon membre le moins préféré du groupe. Oh, mais lâche l'affaire. Bon, tu veux sauvegarder? Oui ou non, je suis dans une relation de monogame avec le sauvegarde auto. Non. Je trompe la sauvegarde auto. Ils sont où les punks qui font du skate? Je suis paumé. Là, c'est par là, c'est le bois, mais je vais pas y aller tout de suite. Finir la teuf avant. Je me suis trompé d'endroit. Je vais hyper là-bas. Putain, heureusement qu'elle date. Je me souviens de la démo. Dans la démo, je vous parle d'un truc, c'était il y a 2 ans. Il n'y avait pas de dash. C'est chiant. Tu sais, te prendre un trick dans la gueule? Ça y est, t'as trouvé assez de gens pour la fête. Ouais, la maison va être pleine. Est-ce que t'imagines à quel point ça va être téméraire? Faire du skate dans une maison pleine de gens. Les possibilités sont sans fin. Allez, on se voit là-bas. On y va. C'est le même trajet. Je pense que en 6, mais son langage corporel suggère qu'il est en train de s'éclater à être un danger public. En tant que Carrie, mais son langage corporel suggère qu'elle apprécie beaucoup le esprit du karaoké de gomme. Remarquez que la bouche de Alien bouge, mais on peut rien entendre à cause du bruit. Yeah! Je peux toujours pas entendre, mais son langage corporel suggère qu'elle est reconnaissante. Ouais, on dirait même qu'elle est en train d'essayer de te donner quelque chose. Ouh, un patch! Les attaques infligées par le porteur les soignent pour 30% des dégâts. Waouh! On fait du vampirisme. Je peux les équiper ou... On va voir, j'ai déjà un patch qui augmente ma mélodie, ma vitesse. C'est quoi déjà la mélodie? Ah, ça augmente les dégâts de type mélodie. Ah, il y a des... D'accord, des dégâts de type mélodie et des dégâts de type bruit. Et elle fait que des dégâts de mélodie. Donc effectivement, augmenter sa vitesse et sa mélodie, c'est plutôt
C'est une bonne idée. D'accord, 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 Alien peut récupérer son putain d'appartement. De toute façon, le grille-pain est niqué. On voit Yann. Au bois du thon. Enfin, un propre jeu de mots. Parce que c'est à la fois du thon parce que c'est la musique et du thon parce que le poisson. Ce buisson bouge ? Oui. Regardez-moi tous ces arbres musculeux. Ah, salut. Eh, salut. Je peux pas dire que je vois beaucoup de gens se balader dans le coin. En fait, je cherche quelqu'un. Je me demandais si vous l'aviez pas vu. Oh oui. Et à quoi il ressemble? Eh bien, pour commencer... Laisse-moi deviner. C'est un squelette culturiste avec une affinité pour le poisson. Oui. C'est un sacré personnage. Et ça, c'est un avion qui passe devant ma fenêtre. On va voir si le filtre anti-bruit d'OBS arrive à le couper ou pas. c'est un sacré personnage. Ouais, je le vois dans les bois pas mal. Je le vois souvent en train de faire des compétitions de flex avec les arbres. Ah ouais, ça lui ressemble. Vous savez où il vit ? Tout à fait, continue de continuer à travers cette clairière et garde, va toujours à gauche, toi qu'on trouvera. Ok, merci. Je m'appelle Toby au fait, je suis juste un explorateur ordinaire dans une expédition ordinaire. Ah ouais, bah cool, merci. J'arrête pas de voir ces trucs. C'est quoi ? C'est moche. Enfin, baston ! Fondeur de face ! Bing, 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 bing ! Ah, il m'a mis une mesure de lenteur. Ah, le fondeur de visage, ça suffit à tuer ces trucs. Que je viens de tuer ce truc avec de la musique? Ben, j'y pense. C'est vrai que ça faisait aussi un peu mal quand il m'a applaudi. Il se passe quelque chose de bizarre. Intérêt à faire attention. Dans les beats. Donc les rythmes, ce sont des attaques musicales qui ne coûtent pas de hype. La hype étant la barre violette, c'est la mana. Cependant, contrairement au mode, les dégâts qui s'affichent sont fixés et ne changent pas selon les stats du personnage. Tous les ennemis non-boss, autres que les boss, peuvent potentiellement lâcher leur beat quand ils sont vaincus. Les rythmes peuvent être équipés en tant que compétence d'attaque depuis le menu du matos. Certains rythmes sont extrêmement rares, mais ne perdez pas espoir. Ouais. Ça fait 5 à 8, ça fait 8 à 18. J'ai aucune raison d'équiper cette merde. Je peux l'écouter ? On dirait pas, c'est pas grave. Alors je me souviens, il y a des passages secrets dans cette forêt. Et donc, il peut y en avoir que dans cette forêt d'ailleurs. Attention! Cela mène au passage hanté! C'est pas très sympa! Allez voir plutôt mon super bar! Je vais te casser la gueule!
Voilà. Moi, bon, c'est facile. Ah, je peux pas utiliser mon dash. Hey! Hey, c'est toi! Eh ouais, mon gars. J'arrive pas à croire, t'es vraiment là! Tu me rends visite à ma cabane! Ça t'a pris du temps! Ouais, bah, tu sais. Bon, de toute façon, je suis ici parce que j'ai des nouvelles super cool! Je vous ai enregistré un concours de musique! Oh ouais! Nickel! Et il m'est arrivé un truc bizarre depuis que j'ai fait ça! On dirait que je peux perdre du mal à des trucs avec de la musique. Et je me demande si c'est pas lié au... Quoi? Yann, tu peux pas juste me gueuler comme ça, tu m'as foutu les jetons. Yann? Quoi? Pourquoi? Qui ferait une chose pareille? Les bois de thon sont les arbres les plus beaux, les plus forts de tout l'univers. Ils sont massacrés, ce sont des merveilles sacrées de la nature. Celui qui a fait ça va payer. Faut que je me calme. Où va la forêt que t'es pas là pour glander? Fais une jam avec les... Oh, j'adore celle-là. Ok, je me sens mieux, mais quand même. Personne n'avait réussi à abattre un mouton avant. Et celui qui l'a fait est probablement toujours là. La forêt est en danger, on doit agir. Et toutes ces histoires de baston des groupes, je veux dire. Je commence à me demander si on n'a pas été maudit. Et si la malédiction n'est pas liée au tournoi. Attends, ça veut dire que je serais capable de me battre avec de la musique aussi? C'est bien ça le lien, probablement. J'ai inscrit toute l'équipe après tout. Cool! Ouais, mais oublie pas que la musique peut nous faire mal aussi. Et elle devrait! Ce serait pas juste si ça marchait pas dans les deux sens! Ah ouais, j'imagine. Oh, ça ressemblait à Claire. Je t'ai dit, j'ai déjà dit que la forêt était en danger. Allons l'aider. Attends, c'est qui, Claire? Une amie à moi. Ça remonte à loin. Bon, tu viens ou pas? Je sais pas. J'imagine qu'on va rencontrer beaucoup d'autres de ces buissons sur le chemin. Ce serait une bonne opportunité d'essayer cette nouvelle malédiction. Ouais, ça peut être marrant, hein. J'imagine que... ça pourrait aussi faire affaire de... répète maudite. C'est ça l'idée. Si c'était une blague, j'ai pas compris. Nouveau compétence de terrain. Yann est capable de... de flex. Ce qui étourdit tous les ennemis. Appuyez sur X. Contrôlez sur Yann. Ok. Ouh. Ah oui, ça y est, il a le dash. Et Yann, il a le muscle. Oh. C'est ici que Yann garde sa collection de portes cassées. Eh, je vois que tu trouves Gillian. Dis bonjour, Gillian. Gil, c'est la branchie. Blum, blum. Salut. J'ai sauvé sa vie. Blum, blum. Non, c'est pas vrai. Mais si, t'es toujours en train de te faire attraper dans ce lac. Mauvaise voix, pardon. Mais si, t'es toujours en train de te faire attraper dans ce lac.
Regarde à tous les crochets que t'as attachés au visage. Je veux dire, ouais, la première fois que j'y arrivais, c'était pas prévu. Et je me suis dit que... tout ce métal enfoncé dans la tronche, en fait, c'est plutôt cool. Alors je fais exprès de me faire attraper quelques fois de plus pour avoir plus de piercing. Bah, peu importe. En tous les cas, je t'ai fait une faveur. C'est une manière dangereuse de vivre, de toute façon. Mais pas vrai. Si, c'est vrai. Le sujet. C'est vraiment, depuis que j'ai eu mon dernier piercing, il est temps que j'en trouve un autre. T'aurais pas aidé une gonzesse un peu? Ouais, apparemment, c'est une fille. Nice. Tout ce que j'ai besoin, c'est. Un truc argenté qui pique. Trouve-moi ça et je m'occupe du reste. Merci. Blub. Le frigo est rempli de bouffe pour poisson. Yann, tu sais que t'as pas besoin de mettre la bouffe pour poisson au frigo, n'est-ce pas? Et où est-ce que... où d'autre je vais le mettre? Je sais pas, dans le cabinet au-dessus de l'aquarium? Mais c'est là que je mets ma bouffe, banane! Mais... ce bouquin s'appelle le souvenir de pêche. C'est plein de souvenirs de Yann qui prend des selfies avec des poissons. Hé, en v'là une avec Gillian! C'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Faudrait que tu vois l'appât qu'il a utilisé. Ça devrait être à l'arrière du livre. Trouvé! Attends, ça a marché! Gilly. Salut! Est-ce que tu es un poisson? Est-ce que tu as envie d'être immortalisé? Je suis un jeune pêcheur enjoyé, j'adorerais prendre une photo avec toi pour mon bouquin. Si ça tente, tire sur la ligne et accroche-toi bien. J'ai hâte de te rencontrer, signé Yann. Et donc ça a vraiment marché? Bien sûr, pourquoi pas. C'est faux dire, après avoir lu l'appât... j'avais pas vraiment réfléchi à quoi Yann pourrait ressembler. Et je m'attendais vraiment pas à ça. Ah, je peux pas t'en vouloir. La vraie beauté détruit toutes les attentes. D'accord, Yann. Un vieux poster d'un catcheur professionnel appelé Splash. C'est le héros d'enfance de Yann. Ha! J'adore que t'aies toujours ce poster. Splash a toujours été ton préféré, hein. Même si maman était clairement une meilleure catcheuse. C'est faux! Alors, l'alarme d'urgence. Ah, ça ressuscite un membre du groupe. Ah oui, le grand bras de bois du temps. Il ouvre la voie en flexant que pour ceux qu'il juge digne. Ah, j'imagine qu'on a une forêt à impressionner. Je veux dire, d'habitude, il me laisse passer sans problème. J'imagine que c'est différent maintenant que je me balade avec quelqu'un d'aussi médiocre. Non. Bup. Ah, un piton. Écoute, Faye, je comprends, t'adores être sur le devant de la scène. Mais tu comptes partager un peu? Je peux jouer de la basse plutôt fort. Alors, on peut changer de manière avec LB ou RB. Les membres de... les musiciens qui sont en retrait récupèrent de la hype deux fois plus vite. Hein? Et ceux qui sont devant sont immunisés aux attaques contre une seule cible. Hein? Ouais.
Alors, sachant que c'est mieux d'avoir Pei devant parce qu'elle va plus vite. Attends. Ah, c'est que pour... Ah, dans la démo, ça affectait toujours tous les ennemis. Après, il y a ça. Qui affecte tous les ennemis, effectivement, mais qui n'en met... qui ne fait qu'un point de dégâts. Bidibidu. Se soigne, salaud. Daf, ok. Alors, dégâts modérés. Ça fortifie la barre du joueur, on prend moins de dégâts. De 20%, ouais. Dégâts légers, deux fois à tous les ennemis. Ça fait aussi mal à Yann. On va défoncer ce... serpent. Ah, et j'ai récupéré son... son beat. Son rythme. Voilà, on prend ça et crève. Non, j'ai récupéré les deux rythmes, nice. Pel, 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 pel. 2 à 4 à cet adversaire, et ça nous donne une mesure de hâte. Oh. Je vais pas récupérer celui du serpent aussi. Elf. Et dans ce moment, c'était maximum. Ça permet de se régénérer lentement en combat. Ah. Il est quoi? Ça augmente la résistance et le bruit de 10%. Ah, et s'il veut tanker, elf. Hein. 1% de régénération de hype, c'est bien aussi. Et elle, je vais lui mettre le bol de lit. J'ai raté. C'était pas volontaire. Toujours plus en poire. Attends, un chardeur. Ah, ça touche tous les ennemis et ça met une mesure par ennemi. Ah. C'est très intéressant. Ça met une mesure de hâte, ah, enfoiré. Prends ça! Et là, par contre, il vient bien de la façon, oui, non? Ça va l'être! Non? Qu'est-ce qu'il lâche? C'est quoi cet effet qui fait quand il meurt? Un check, c'est parti! Stratégie plutôt standard. Oui, voilà. Ça. Ouf. Ah, c'est pour 36 en retour. Ouais, c'est peut-être pour lui que je vais plutôt pour lui que je mette le vol de vie. Yo.
T'es supposé livrer ces boîtes à OO, mais... Non, flemme de reprendre ce bus. Et du coup, j'ai juste traîné là pour un moment. Eh, vous avez entendu ce cri de tout à l'heure, c'était quoi? Ah oui, ça, c'était mon ami Claire. Mais t'inquiète pas, où qu'elle soit, on s'en occupe. Cool. Vous avez l'air plutôt cool. Et j'y dis pas à vous servir dans les boîtes, hein. Ah, vraiment? Rien à foutre. Je suis sûr que vous allez voir plus de valeur dans ces objets qu'un glandu dans une boutique. Et c'est vrai que ça marche comme ça. Le système d'objets de ce jeu est différent. Je vois une personne adorable. Fox, une personne adorable. Oui. La manière de fonctionner les objets dans le jeu, c'est qu'on n'achète pas les objets individuellement. À plus de ça, on a un stock de marchandises. Et vous voyez là, au milieu en haut, 15 sur 15. Et utiliser un objet consomme du stock. Donc il faut juste collectionner les objets et après on peut les utiliser autant de fois qu'on veut tant qu'il nous reste du stock. On peut restocker par sa personne comme Box, qui est une personne adorable. C'est quoi ça? Mais il y a combien de poissons qui chantent dans cette forêt? Ah, les bruits de l'océan, bébé. C'est ça. J'imagine que la malédiction permet aussi à la musique de soigner autant que de faire mal. C'est déjà ça. Ah. On va s'arrêter là. Oh. Juste avant la suite. Oh. Donc oui, ce sera tout pour... Ce sera tout pour aujourd'hui.